Après que les troupes aient sécurisé une partie de la Normandie, De Gaulle souhaite s'y rendre. Churchill lui donne l'autorisation, mais il consigne un protocole très restrictif. De Gaulle souhaite faire un test de souveraineté. Il approche de la France avec un visage impassible. Vers midi, il accoste sur une plage. De Gaulle prend ensuite place dans une jeep et le cortège se met en route pour Bayeux. Quand la population française le reconnaît, des cris et des acclamations se font entendre. Les enfants m'entourent, les femmes sourient et sanglotent. Les hommes me tendent les mains. Sentant la joie et la fierté, l'espérance nationale remontait du fond des abîmes. Sur la place du château, plus de 2000 personnes sont rassemblées et toutes acclament De Gaulle. Ce dernier se place devant le micro et prononce quelques mots. Ce n'est pas le moment de parler d'émotion. Notre cri maintenant, comme toujours, est le cri du combat. Je vous promets que nous continuerons la guerre jusqu'à ce que la souveraineté de chaque centimètre du territoire français soit rétablie. Après un bain de foule, De Gaulle repart à bord de la combattante et il confie. Nos autorités nouvelles sont en place. Il fallait mettre les alliés devant le fait accompli. Ils ne diront rien. Roosevelt n'a pas changé son opinion sur De Gaulle, mais il a le sens des réalités. S'apercevant que le peuple français est pour le général, il l'invite aux États-Unis. Le 6 juillet 1944, De Gaulle arrive à Washington, où il est accueilli à la Maison Blanche par Roosevelt. De Gaulle éprouve lors de cette rencontre une énorme satisfaction. Dorénavant, le président américain accueille De Gaulle comme un chef d'État et finit par approuver le gouvernement provisoire de De Gaulle, qui est qualifié pour assurer l'administration de la France. De Gaulle a gagné. 26 août 1944. Après une insurrection de la ville de Paris contre les troupes allemandes, la ville est libérée par la 2e division blindée du général Leclerc. Paris, désormais libre, acclame De Gaulle. Il note. Devant moi, les Champs-Élysées. Ah, c'est la mer, une foule immense et massive de part et d'autre de la chaussée. Peut-être 2 millions d'âmes. Si loin que porte la vue, ce n'est qu'une houle vivante dans le soleil sous le drapeau tricolore. Je vais donc, ému et tranquille, au milieu de l'exultation indicible de la foule, sous la tempête des voix qui font retentir mon nom. Il se passe en ce moment, un de ces miracles de la conscience nationale, un de ces gestes de la France, qui parfois, au long des siècles, viennent illuminer notre histoire et moi, au centre de ce déchaînement. Je me sens remplir une fonction qui dépasse de très haut ma personne, servir d'instrument pour le destin. Le général rejoint désormais Notre-Dame, où il entonne le Magnificat comme un remerciement à la Providence. Après Paris, les hommes de De Gaulle vont continuer à se battre contre l'Allemagne. Le gouvernement provisoire de De Gaulle s'installe rue Saint-Dominique et va gouverner la France encore en guerre. Le 23 octobre 1944, les États-Unis et la Grande-Bretagne reconnaissent le gouvernement de De Gaulle comme le gouvernement de la France. Le 23 novembre 1944, la division de Leclerc réussit à parvenir et à libérer Strasbourg. Du 1er au 12 décembre 1944, De Gaulle se rend à Moscou où il est accueilli par Staline et tous les hauts dirigeants soviétiques. Durant cet entretien, De Gaulle confirme la stature de la France en tant que grande puissance restaurée. De Gaulle prône l'indépendance de la Pologne,
tandis que Staline souhaite faire de la Pologne une république communiste vassale de Moscou. Mais De Gaulle tient tête à Staline, avec une telle vigueur que ce dernier ne cesse de lui marquer une particulière considération. Le traité qui se nomme « La Belle et Bonne Alliance » est signé. Suite à l'offensive allemande dans les Ardennes, le commandement allié demande de décrocher de la ville de Strasbourg afin de rendre plus efficace sa ligne de défense. De Gaulle n'accepte pas et donne l'ordre à Delattre de tenir la ville coûte que coûte. Eisenhower, qui sait dorénavant à qui il a affaire, accepte. Même si la France n'a pas été admise à la table des négociations à Yalta en février 1945, De Gaulle a donné l'ordre à ses troupes françaises d'entrer en Allemagne et d'y demeurer pour constituer une zone d'occupation. 8 mai 1945. Lors de la signature de la capitulation de l'Allemagne, De Gaulle envoie le général Delattre de Tassigny pour signer, au même titre que les Anglais, les Américains et les Soviétiques. Le maréchal Keitel, surpris de voir un Français autour de la table, s'exclame. « Quoi ? Les Français aussi ?» Lors de la conférence de San Francisco du 25 avril 1945, la France obtient 5 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. La mission que De Gaulle s'était assignée depuis le 18 juin est désormais accomplie. Depuis le 3 juin 1945, De Gaulle remanie son gouvernement qui est devenu le gouvernement provisoire de la République française. Son objectif premier est de cadrer l'épuration. Pour le gouvernement, il n'est pas normal qu'une justice expéditive punisse ceux qui s'étaient mis au service de l'ennemi. C'est ainsi que l'amiral Platon, qui s'est réfugié en Dordogne, a été fusillé par les FTP sans qu'il y ait eu une forme de procès. Les vengeances sont à la limite de l'acceptable, et l'humiliation des femmes tondues en public peuvent révulser l'opinion de certaines personnes. Les formes judiciaires sont bientôt rétablies et la haute cour qui est instituée ouvre un procès contre le maréchal Pétain et Pierre Laval pour leur implication dans la collaboration. Laval est condamné à mort, tout comme Pétain. Mais De Gaulle hésite. Derrière sa fenêtre, il hésite longuement. Après avoir réfléchi, il refuse la condamnation à mort de Pétain du fait de ses faits de guerre durant la Première Guerre mondiale et de son grand âge. De ce fait, Philippe Pétain est condamné à la prison à perpétuité. Les milices patriotiques issues des maquis sont dissoutes. Elles rejoignent l'armée régulière. En même temps, De Gaulle lance de grandes réformes sociales dans la ligne tracée par le CNR, telles que la refonte des allocations familiales, les comités d'entreprise, la nationalisation des transports aériens, les banques suivront peu de temps après. Tout ce programme est issu du Conseil national de la résistance. De Gaulle ne sera pas réticent à les appliquer. 2 septembre 1945. Sur le cuirassé Missouri, Leclerc, envoyé par De Gaulle, signe pour la France l'acte de capitulation du Japon aux côtés des Alliés. La Seconde Guerre mondiale se termine après 6 ans de souffrance. De Gaulle s'aperçoit que les partis qui étaient discrets jusqu'à maintenant vont réclamer leur part du pouvoir. La paix règne à présent en France. Mais comme l'avait promis De Gaulle, c'est au peuple français de se prononcer sur son avenir. Le 21 octobre 1945, les électeurs sont convoqués aux urnes pour émettre 3 votes. Pour les référendums, première question, faut-il doter la République d'une nouvelle constitution ? Seconde question, les pouvoirs de l'Assemblée constituante seront-ils limités à une durée de 6 mois pour une seule mission, la rédaction de cette nouvelle constitution ? Et dans une autre urne, les électeurs et les électrices, depuis le 21 avril 1944, doivent élire les membres de cette assemblée.
au soir du 21 octobre 1945, une très large majorité écarte le retour à la Constitution de 1875. Une assez nette majorité non écrasante est d'accord pour limiter les compétences de l'Assemblée constituante qui va sortir des urnes. Quant aux résultats de l'élection des députés, ils font apparaître le tripartisme avec les deux formations de gauche qui avaient participé à la résistance. Les communistes arrivent en tête avec 159 sièges et les socialistes obtiennent 146 sièges. Les démocrates chrétiens obtiennent 150 sièges. Les radicaux obtiennent 29 élus. Les modérés obtiennent 53 élus. L'Union démocratique et socialiste de la résistance, UDSR, compte 42 élus. Mais tous n'affichent pas des convictions gaullistes. 7 non-inscrits complètent l'Assemblée. Le 6 novembre 1945, l'Assemblée se réunit. De Gaulle est également présent. Mais il sent que le pouvoir lui est confisqué par ceux qui se jugent les représentants du peuple souverain. Le 13 novembre 1945, sans qu'il ait fait acte de candidature, De Gaulle est élu à l'unanimité président du gouvernement. Il compose un nouveau cabinet, conforme à l'équilibre du gouvernement. Les communistes vont protester et jugent qu'ils ne disposent pas des portefeuilles correspondant à leur majorité relative à l'Assemblée. Ils exigeront l'un des trois grands ministères, la Défense, l'Intérieur ou les Affaires étrangères. De Gaulle ne souhaite pas céder et n'envisage pas de céder aux communistes ni l'armée ni l'ordre public. Sous l'influence de Maurice Thorez, l'agitation s'apaise. Le 23 novembre 1945, De Gaulle considère que le vote unanime du 13 novembre n'a plus de signification. Mais il est de nouveau élu à l'unanimité président du gouvernement et il présente son programme à l'Assemblée. Le 31 décembre 1945, un nouvel incident survient lors du débat budgétaire. Le groupe socialiste, qui compte de nombreux ministres, fait voter un amendement qui réduit de 20% les crédits militaires. Une fois de plus, De Gaulle parvient à surmonter l'attaque. L'amendement est retiré. Le 16 janvier 1946, c'est au tour des radicaux d'agir. Malgré leur petit nombre et par le truchement d'Édouard Herriot, ce qui vaudra une réplique de De Gaulle. Des légions d'honneur attribuées par Vichy à des officiers de l'armée d'Afrique tués lors du débarquement de novembre 1942 sont ratifiées. Herriot condamne le procédé. De Gaulle répond qu'il ne trouve pas convenable d'arracher ces décorations des poitrines de soldats tués dans un combat où ils ont été engagés par un gouvernement indigne. Il ajoute également à l'adresse d'Herriot « Moi, je n'ai jamais eu affaire à Vichy ni avec l'ennemi, excepté à coup de canon. » En effet, De Gaulle savait qu'Herriot avait rencontré Laval peu de temps avant la libération afin de l'empêcher d'installer un gouvernement provisoire. L'Assemblée a pour mission d'établir une constitution. De Gaulle demande à François de Menthon, qui est rapporteur du projet et qui avait été son ministre à Alger, de lui faire le point sur l'état des travaux de la commission compétente. Menthon lui répond que De Gaulle n'étant pas lui-même parlementaire, il n'a pas à se mêler des débats concernant la Constitution. C'en est trop pour De Gaulle. Les partis qui se sont tus lorsque lui se levait pour continuer la lutte veulent l'éliminer ou le réduire à un rôle purement honorifique. Le 20 janvier 1946, De Gaulle réunit son gouvernement et avec une dignité et impressionne tous ceux qui l'entendent, il annonce son départ. Il quitte le pouvoir en ayant accompli une partie de son destin. Le 5 octobre 1946, à Vincennes, De Gaulle rassemble près d'un million de personnes. Aux élections municipales, les listes du RPF accueillent plus de 40% des suffrages. 13 villes, dont Marseille, ont un conseil municipal majoritaire RPF. Au lendemain de ces succès,
De Gaulle demande la dissolution de l'Assemblée et promulgue une loi électorale de type majoritaire. Évidemment, il ne recevra aucune réponse, sauf celle du président du Conseil, Paul Ramadier, qui va se rendre à Colombey pour prévenir De Gaulle que le gouvernement a donné l'ordre à la seule radio qui existe à l'époque de ne plus rendre compte des activités de De Gaulle ni de celles du RPF. Malgré cela, De Gaulle ne s'empêchera pas de manifester et il va décider de parcourir toute la France pour afficher sa position sur tous les problèmes qu'elle affronte. Mais le pays souffre d'une instabilité que De Gaulle dénonce de réunion en réunion. Des problèmes capitaux pour l'avenir de la France se posent, mais aucune réponse n'est déterminée. Le statut de l'Allemagne de l'Ouest est établi. Dans le même temps, Berlin-Est fait l'objet d'un blocus soviétique. Dans ces débats de crise, la diplomatie française est en seconde ligne. En Extrême-Orient, Mao renverse le maréchal Chiang Kai-shek. La Corée est ravagée par la guerre et se scinde en deux États, l'un communiste et l'autre sous l'influence américaine. Dans l'ancienne Indochine, Ho Chi Minh et ses troupes continuent de se battre face à l'armée française. Les deux grands pays, les États-Unis et l'Union soviétique, cherchent à se répartir le monde sous leurs bottes, ce qui signe le début de la guerre froide. La France signe le traité de l'Alliance Atlantique et entre dans l'OTAN, qui est sous le commandement américain. Dans l'impossibilité de structurer une vraie majorité, l'Assemblée, à la demande du président du Conseil Henri Queuil, décide d'écourter son mandat de quelques mois. Mais avant de quitter le pouvoir, les députés vont modifier la loi électorale pour ne laisser aucune chance au RPF lors de ces nouvelles élections. Le soir des élections, les résultats tombent. Sur 625 sièges à l'Assemblée, 118 seulement sont gagnés par les gaullistes. Ils sont assez nombreux pour peser contre les coalitions, mais pas assez pour s'imposer et obtenir la présidence du gouvernement. De Gaulle, quant à lui, ne fait pas partie de ces 118 députés. À ses yeux, ne pas se présenter dans un département est normal, comme ne pas siéger au milieu des députés. Un mois après, René Pleven succède à Henri Queuil, mais il est renversé en janvier 1952. De Gaulle perçoit un premier problème au sein de son groupe. En effet, lors des consultations menées par le président de la République, celui-ci convoque Jacques Soustelle, président du groupe RPF, et lui propose avec plus ou moins de sincérité de constituer le prochain gouvernement. Soustelle refuse, mais il fait une déclaration publique en s'exprimant comme s'il était le responsable de la politique du mouvement, alors qu'il aurait dû parler au nom de De Gaulle. Au comité directeur qui va suivre cet événement, De Gaulle va le lui reprocher avec véhémence et marteler que c'est à lui et à personne d'autre de décider, même si c'est la bonne décision qui a été prise. Plus rien ne va au sein du RPF. De Gaulle essaie de rétablir la discipline dans le parti, mais la tentation du portefeuille ministériel l'emporte sur la rigueur. En avril 1953, les résultats du RPF aux élections municipales sont des plus décevantes. Les Républicains sociaux regroupent les anciens élus du RPF, mais ils conservent leurs étiquettes gaullistes. Le 6 juin 1953, De Gaulle publie un communiqué où il déclare « Je ne prends aucune part directe ou indirecte aux péripéties diverses de l'actuel régime. » De Gaulle subit la traversée du désert et décide de se retirer à Colombey. Il vient une fois par semaine à son bureau de la rue de Solferino à Paris. C'est à cet endroit qu'il retrouve ses fidèles et reçoit également bon nombre de personnalités qui souhaitent le rencontrer. Certains mercredis, ses collaborateurs relancent discrètement les visiteurs pour que De Gaulle n'ait pas une journée vide. Une fois de retour à Colombey, De Gaulle replonge dans sa vie de famille et dans l'écriture. Dans son bureau, il a toujours une pensée pour sa deuxième fille, Anne,
qui a disparu le 6 février 1948. Sa petite, comme il l'a toujours surnommée, est enterrée à Colombey. Le couple de Gaulle, qui reste fort face à cette épreuve, a déjà créé en 1946 la Fondation Anne de Gaulle, qui est destinée à venir en aide aux enfants souffrant de ce handicap. Même après son décès, leur combat continue au nom de leur fille Anne. Leur fils, Philippe, décide de poursuivre sa carrière d'officier dans la marine et épouse le 30 décembre 1947 Henriette de Montalembert de Serres. Ils auront ensemble 4 fils. Leur fille Elisabeth épouse Alain de Boissieu, un officier de l'armée blindée et ancien de la division Leclerc, le 2 janvier 1946. Elisabeth aide son père en dactylographiant le manuscrit de ses mémoires. Madame de Gaulle, quant à elle, tient la boisserie avec quelques difficultés, puisque son mari refuse toute rémunération venant de l'État. De Gaulle suit de très près les actualités et intervient lorsque l'avenir de la France est en jeu. Comme lors de la querelle de la Communauté européenne de défense, où sa voix est entendue. En effet, en août 1954, l'Assemblée, sur une motion de procédure, enterre ce projet qui fond l'armée française dans une armée européenne. Lors de ses séjours à Paris, de Gaulle accueille à l'hôtel Lapérouse Pierre Mendès France, qui est devenu en juin 1954 président du Conseil. De retour à Colombey, la fenêtre de son bureau ouverte, par laquelle il entend le chant des oiseaux, il écrit ses mémoires de guerre. Il ne pense certainement pas à ça, mais la sortie de son livre fera de lui un écrivain. Très peu de mémorialistes politiques ont pu atteindre ce rang. Le 7 mai 1954, la chute de Dien Bien Phu signe la fin de l'occupation française en Indochine. Le gouvernement Laniel tombe et ce dernier est remplacé le 14 juin par Mendès France. C'est lui qui réglera les modalités de paix avec l'Indochine à Genève. Les deux protectorats de Tunisie et du Maroc sont entrés dans une période d'agitation. Mendès France, accompagné du maréchal Juin, va se rendre à Tunis pour engager la France dans la voie des négociations vers l'indépendance des protectorats. Le 1er novembre 1954, de violents attentats surviennent en Algérie, ce qui était une révolte est en passe désormais de devenir une guerre de libération. En France, on cherche une solution. L'Assemblée décide de renverser le gouvernement de Mendès France. Edgar Faure, qui succède à Mendès France, voit la situation s'aggraver. Censuré, il souhaite la dissolution. C'est finalement Guy Mollet qui devient président du Conseil. Il décide de se rendre immédiatement à Alger, avec pour intention d'engager des négociations. Mais une émeute éclate dès son arrivée, à l'initiative de la population française. Il bat en retraite et envoie le contingent en Algérie. Puis, avec l'aide des Britanniques, il lance une opération pour reprendre le canal de Suez, que le dictateur égyptien Nasser vient de nationaliser. Français et Anglais sont désavoués par les États-Unis et sont également menacés par l'Union soviétique. Les troupes franco-britanniques doivent de ce fait se replier. En juin 1957, Guy Mollet est remplacé par Maurice Bourgès Monoury. Quelques mois plus tard, celui-ci est remplacé par Félix Gaillard. Ce dernier restera à son poste jusqu'au 15 avril 1958 et il faudra presque un mois à l'Assemblée pour investir un successeur qui sera Pierre Pflimlin. Celui-ci évoque lors de son discours d'investiture l'éventualité de négocier avec les rebelles algériens. Sur le champ, les Français d'Algérie constituent des comités de salut public auxquels les officiers de haut grade apportent leur soutien. Le gouvernement général à Alger est occupé par l'armée. La République ne cesse de trembler, mais dans toute la France, les regards se tournent vers De Gaulle. Le 14 mai,
le comité de salut public d'Alger, avec le général Massu à sa tête, lance un appel à De Gaulle pour qu'il constitue un gouvernement de salut public. Le lendemain, De Gaulle publie une déclaration dans laquelle il annonce « Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu'il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. » Le 19 mai, lors d'une conférence de presse au Palais d'Orsay, à Paris, il rassure le peuple français. « Croit-on qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur ?» Mais il confirme également devant plusieurs centaines de journalistes qu'il est prêt, dans ce drame, à gouverner le pays. Pour accéder au pouvoir, il utilise une stratégie logique. Il fait juste savoir aux militaires qu'en aucun cas il n'accepterait un putsch. Si cela devait se produire, il resterait à Colombey. Mais il fait également comprendre aux politiques que s'ils veulent éviter un coup d'état militaire, qui serait une véritable tragédie pour la France, ils doivent se retourner vers lui et lui donner les moyens de gouverner dans le respect des principes républicains. À Paris, il rencontre André Le Troquet, président de l'Assemblée, et Gaston Monnerville, président du Sénat, ainsi que Pflimlin, qui va démissionner le 28 mai. Le président Coty va alors se tourner vers De Gaulle et il annonce qu'il a décidé de faire appel au plus illustre des Français. Le 1er juin, De Gaulle constitue son ministère dont tous les portefeuilles ne sont pas attribués. Mais il faudra que l'Assemblée se contente de cette liste provisoire avec Michel Debré à la justice et Malraux, ministre délégué à la présidence du Conseil. Quatre ministres d'État représentent les grandes tendances politiques. Mollé, Pflimlin et pour la droite modérée, Jacquinot et ainsi que l'Africain Houphouët-Boigny. Aux autres postes, des hauts fonctionnaires. Couve de Murville aux affaires étrangères, le préfet Pelletier à l'intérieur, Guillaume est président du commissariat à l'énergie atomique à la Défense. Dans les semaines suivantes, le gouvernement est complété. Ce même jour, De Gaulle se rend à l'Assemblée pour y lire une brève déclaration, puis quitte la séance, pour laisser les députés en débattre. Dans la soirée, il obtient l'investiture avec 3/5 de vote favorable. Le lendemain, le Parlement se plie aux exigences du nouveau chef du gouvernement. Premièrement, De Gaulle obtient des deux assemblées les pleins pouvoirs. Deuxièmement, son gouvernement doit préparer une réforme constitutionnelle qui sera ensuite soumise à référendum. Et comme il l'avait exigé, la session du Parlement est suspendue jusqu'à la reprise de la session ordinaire en octobre. De Gaulle a dorénavant 4 mois devant lui pour jeter les bases d'une nouvelle République. L'élaboration de la Constitution est la mission primordiale, car il en aura besoin pour gouverner autrement. Mais tout d'abord, il doit se rendre en Algérie. Le 4 juin 1958, le voici au balcon du gouvernement général à Alger. Devant une foule immense, il lance l'appel qui fait vibrer tous ceux qui l'entendent. Je vous ai compris! Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la réconciliation et de la fraternité. Lors de son discours, il n'a en réalité rien promis. Mais il est là. Le grand homme du 18 juin est là. Et tout le monde pressent que les choses vont enfin avancer. De retour en France, il faut tout de suite élaborer une nouvelle constitution. Tout doit être prêt avant que ne s'ouvre la prochaine et éventuelle session du Parlement. C'est Michel Debré, fidèle du général depuis le temps de la Résistance, sénateur et désormais en charge de la justice, qui va accomplir cette mission à laquelle il est préparé. De Gaulle écrit dans ses mémoires. Autour de Michel Debré,
une jeune équipe du Conseil d'État. Tous les matins, ils se réunissent et préparent un chapitre constitutionnel. Chaque soir, chaque chapitre est soumis à De Gaulle, avec la présence de son directeur de cabinet, Georges Pompidou, de son directeur adjoint, Olivier Guichard, du vice-président du Conseil d'État, René Cassin, plus Michel Debré et les quatre ministres d'État. Et le matin suivant, la jeune équipe reprend ses travaux. L'ardeur de tous est telle que le texte est prêt avant la fin du mois de juillet. Il est présenté ensuite à un comité consultatif constitutionnel qui est composé de 13 députés, 13 sénateurs et 13 personnalités désignées par le gouvernement. La présidence en est assurée par Paul Reynaud, qui fait tout son devoir envers De Gaulle. Le texte initial sera peu remanié et sera délibéré en Conseil des ministres durant le mois d'août. Le 4 septembre, De Gaulle présente publiquement le projet définitif sur la place de la République. Le 28 septembre, le projet de constitution est approuvé par 80% des voix en métropole, 96% en Algérie et 93% dans les départements et territoires d'outre-mer. L'objectif premier est la stabilité du régime politique. Le gouvernement ne peut pas se maintenir sans la confiance du Parlement, du moins de l'Assemblée nationale. Mais le rôle de l'Assemblée et celui du Sénat est solidement encadré. Afin d'éviter que le gouvernement ne soit victime du désintérêt de son propre camp, le vote de censure sera solennellement annoncé. Ce que la Constitution prévoit en ce qui concerne le Premier ministre est clair dans sa lettre. En effet, si le président le nomme, il est précisé qu'il doit mettre fin à ses fonctions en présentant la démission du gouvernement. Un autre article stipule également « Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement ». Mais l'interprétation qui en fut donnée par De Gaulle, puis par ses successeurs, confère ses pouvoirs infiniment supérieurs au président. Le texte constitutionnel qualifie le président de chef des armées et précise que c'est lui qui négocie et ratifie les traités. Compte tenu de la personnalité de De Gaulle et de la tragédie algérienne, il n'y a pas de doute. Le président, qui est le maître réservé selon les termes de Chaban-Delmas, est en vérité le chef de l'exécutif. Et s'il a le pouvoir de nommer le Premier ministre, il a ensuite celui de mettre fin à ses fonctions. Telle est la constitution gaulienne pour la métropole. La constitution gaulienne prévoit également que les territoires d'outre-mer pourront former avec la France une communauté dans laquelle ils bénéficieront de l'autonomie interne. La défense et la politique étrangère continueront de dépendre de la France et le président prendra le titre de président de la communauté. Le sens du référendum est différent en France et dans nos colonies. En France, la population devait se prononcer sur « Voulez-vous une constitution qui assure la stabilité gouvernementale ?» Tandis que les colonies, le vote favorable signifiait « Oui, nous entrons dans la communauté et nous y gagnons le droit de nous gouverner. » Pour mobiliser le vote africain et malgache, le général de Gaulle décide d'entreprendre une vaste tournée au mois d'août. Afin de souligner la portée et l'ampleur de son projet, à Tananarive, désignant l'ancien palais des rois, De Gaulle s'écrit « Demain, vous serez de nouveau un État, comme vous l'étiez quand le palais de vos rois était habité. » Partout sur son passage, c'est l'enthousiasme, sauf en Guinée. Lorsque De Gaulle se rend à l'Assemblée territoriale de Conakry, il ignore, faute d'en avoir été averti par les autorités sur place, que le président du Conseil du gouvernement, Sékou Touré, s'apprête à contester sa proposition et ses propos. De Gaulle avait en tête un discours en réponse à l'acceptation de son interlocuteur, discours qu'il avait déjà prononcé à diverses reprises. Il l'improvisera de façon brillante pour répliquer à Sékou Touré et lui rappellera qu'il peut faire voter non, mais à ses risques et périls pour l'avenir. Seule la Guinée vote non au référendum. La France,
va aussitôt renoncer à exercer son autorité sur ce territoire qui va partir à la dérive. En septembre 1958, de Gaulle accueille chez lui à Colombey le chancelier fédéral d'Allemagne, Konrad Adenauer. Tout a été pensé à la lettre. Adenauer logera dans la tour, juste au-dessus du bureau de de Gaulle. Pourquoi ? Parce que le chancelier allemand a la vue non seulement sur la campagne, mais sa fenêtre est face à l'Allemagne. De Gaulle, de son geste, montre au peuple français que les Allemands sont désormais les alliés de la France. La relation entre les deux hommes sera exceptionnelle. Quand de Gaulle se rend dans sa tournée en Allemagne, en septembre 1962, il est accueilli triomphalement par les Allemands. Le 23 janvier 1963, il signe le pacte de Paris, un accord politique pour unifier les voix de l'Allemagne et de la France devant Washington. Pour élire la nouvelle assemblée, de Gaulle opte pour le scrutin uninominal à deux tours. Michel Debré craint que ce type de scrutin n'avantage les socialistes et suggère à la place le scrutin de liste départementale majoritaire à un tour. Mais de Gaulle écarte cette idée en disant « Que voulez-vous ? La France, c'est les deux tours. » Le 23 octobre, à l'approche du scrutin, de Gaulle tient une conférence de presse où il assure ne pas vouloir s'impliquer dans cette élection. Il déclare « Cette impartialité m'oblige à tenir essentiellement à ce que mon nom, même sous la forme d'un adjectif, ne soit pas utilisé dans le titre d'aucun groupe et d'aucun candidat. » Mais l'ancien RPF s'est reconstitué sous un nouveau nom, l'Union pour la Nouvelle République, dite UNR. Est présent dans presque toutes les circonscriptions un candidat qui se présente comme gaulliste. Les résultats sont plus qu'encourageants pour de Gaulle. 206 UNR sur 576 députés sont élus. Le 21 décembre 1958, de Gaulle est élu président de la République par le collège électoral par 80% des suffrages. Avant de s'installer à l'Élysée, il va régler avec succès, ou du moins contribuer à régler, un autre problème crucial qui est celui des finances. Entouré d'Antoine Pinay, ministre des Finances, de Jacques Rueff, spécialiste reconnu des finances publiques, et de quelques membres remarquables de son cabinet, de Gaulle décide une dévaluation de 17,80%, crée le franc nouveau et établit un budget rigoureux pour l'exercice de 1959. Sur cette lancée, la France recouvre son équilibre budgétaire en 2 ans et en quelques années solde ses dettes vis-à-vis de l'étranger. C'est la condition pour que la France puisse retrouver son rang sur la scène mondiale. Le 8 janvier 1959, Charles de Gaulle entre à l'Élysée où il y habitera. Dès son entrée, il fait installer un compteur d'eau et d'électricité pour connaître sa consommation. Il payera ainsi lui-même son eau et son électricité. De même que son épouse, de Gaulle n'aime pas cet endroit. Pour lui, c'est un endroit qui n'est pas conçu pour diriger la France. Il écrira dans ses mémoires « L'édifice comporte des salons fort beaux, garnis de meubles anciens, à peine suffisants pour les inévitables réceptions, mais n'offre que très peu de place au service d'une présidence devenue très active. » Il souhaite déménager le lieu de la présidence, mais finalement, il décide de s'habituer à l'Élysée. À noter également qu'il ne touchera jamais le salaire de président de la République. Il touchera seulement son salaire de général jusqu'à la fin de sa vie. Michel Debré, nommé Premier ministre, installe son gouvernement. De Gaulle, étant président de la République, est très présent dans tous les domaines qui concernent la France, notamment les affaires étrangères qui seront son apanage de l'évolution des territoires d'outre-mer au règlement du problème algérien.
les organes de la communauté se mettent en place. Un secrétariat général est créé à l'Élysée. Le conseil exécutif regroupe autour du président de la communauté tous les chefs de gouvernement, y compris le premier ministre, et se réunit tous les 2 ou 3 mois. Un sénat de la communauté est constitué et sur place, les gouverneurs prennent le titre de haut commissaire. On voit rapidement apparaître 2 tendances divergentes au sein de l'ancienne Afrique occidentale. Au Sénégal, le souhait d'un regroupement de l'ensemble qui aurait conservé Dakar comme capitale. En même temps, ces pays font savoir qu'ils souhaitent une plus grande autonomie. La Côte d'Ivoire, avec à sa tête Oufoué Boigny, fait savoir qu'elle est pour le découpage colonial et affiche également son projet de voir se constituer entre la France et les autres États de la communauté, en somme un véritable système fédéral. Durant l'année 1959, le Sénégal et le Soudan décident de fusionner et prennent le nom de Mali. Les délégués du Sénégal et du Soudan expriment leur volonté d'accéder à l'indépendance. De Gaulle décide de citer un passage de l'Évangile sur les pèlerins d'Emmaüs. Frère, il se fait tard, restons ensemble. Mais la France tombe d'accord sur la procédure de négociation avant l'indépendance pour définir les rapports futurs entre les nouveaux États et leur ancienne métropole. En quelques mois, les entretiens sont menés à bien sans difficulté particulière. Alors que le monde est régi par la guerre froide opposant les États-Unis à l'Union soviétique, De Gaulle s'exprime le 3 novembre 1959 à l'école militaire sur ce qu'il pense de l'OTAN, qui est dirigée par les États-Unis. Un pays comme la France, s'il lui arrive de faire la guerre, il faut que ça soit sa guerre. Après avoir réfléchi à la situation internationale de la France, De Gaulle décide de s'affirmer face aux alliés. Il avait déjà envoyé un mémorandum à Eisenhower concernant les décisions de l'OTAN. En effet, il voulait que Paris y soit associé. Forster Dulles, secrétaire d'État américain, repousse la proposition de De Gaulle. Le 7 mars 1959, l'OTAN souhaite intervenir en Algérie. De Gaulle va retirer les forces navales en Méditerranée du commandement de l'OTAN. Et en 1963, il retire la flotte française de l'Atlantique et de la Manche. La marine française ne dépend plus du commandement américain de l'OTAN. De Gaulle va donner une nouvelle impulsion à l'énergie atomique et va demander de concevoir au plus vite la bombe A. Les premières sont déclenchées à titre expérimental et avec succès dans les bases de Colombe-Béchard et de Reagan. En avril 1960, Paris reconnaît l'indépendance du Mali et de Madagascar, qui avaient formulé la même demande. Oufoué demande à être reçu par De Gaulle et l'entretien a lieu le 1er juin. Oufoué exige la reconnaissance de l'indépendance de la Côte d'Ivoire comme les autres États de l'entente. Les négociations sur les rapports futurs avec la France ne commenceront qu'après leur entrée dans l'ONU. En quelques mois, tous les États de la communauté d'AOF, d'AEF et Madagascar sont devenus indépendants. Indépendance qui sera célébrée dans chaque capitale en présence d'un ministre délégué par le gouvernement français. C'est ainsi que toutes les anciennes colonies d'Afrique sont devenues des États indépendants tout en restant amis de la France. De Gaulle, secondé par Jacques Foccart, ne cessera d'être attentif à leur révolution et leurs besoins. Durant l'été 1960, De Gaulle profite de son séjour à Colombey pour observer derrière la foule les cyclistes du Tour de France. Les cyclistes décident de s'arrêter face à Charles de Gaulle pour saluer le grand homme du 18 juin 1940. De Gaulle décide de s'avancer afin de serrer la main à certains des cyclistes. Et il dira « Non, ce que je regrette, c'est que ce soit pas un Français en jaune. » Mais il est très touché et honoré que les coureurs du Tour de France lui aient rendu hommage.
en Algérie, les tensions sont toujours présentes. Le général Massu, lors d'une interview à un journaliste bavarois, met en doute l'obéissance de l'armée sur un processus d'autodétermination. De Gaulle décide de relever le général Massu de son commandement et affirme que l'armée va devoir obéir. Mais ces paroles auront de terribles répercussions à Alger. La semaine des barricades, où les Français d'Algérie prônent à leur tour le refus de l'autodétermination, le camp retranché qu'ils ont formé est réduit en quelques jours. Le 4 novembre, De Gaulle parle de l'Algérie algérienne et annonce un référendum sur l'autodétermination. Le 8 janvier 1961, le peuple vote. Et au soir, le oui l'emporte à 75%. La France décide de renouer le contact avec le FLN, tandis que les tenants de l'Algérie française déclenchent les premiers attentats en métropole. Le 22 avril 1961, c'est le putsch des généraux, avec à leur tête les généraux Challe, Jouhaud et Zeller, qui seront rejoints par Salan. La réaction de Gaulle est immédiate. Il remet son costume de général et décide de s'exprimer à la télévision. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un quartéron de généraux en retraite, leur entreprise conduit tout droit à un désastre national. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens soient employés pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. C'est alors que De Gaulle fait appel à l'article 16 de la Constitution qui met tous les pouvoirs entre les mains du président. Quelques jours plus tard, les généraux Challe et Zeller se rendent et le 31 mai 1961, ils sont condamnés à 15 ans de réclusion. Les généraux Jouhaud et Salan, quant à eux, sont en fuite. Mais dans le même temps, en Tunisie, alors que la France conserve une base militaire à Bizerte, le Tunisien Bourguiba juge que De Gaulle sort affaibli du putsch des généraux et lance ses troupes à l'assaut de la position. La réaction de Gaulle ne tarde pas. Les marins brisent sans ménagement la pauvre attaque de l'armée tunisienne. Le 8 septembre 1961, l'organisation de l'armée secrète, OAS, organise un premier attentat contre De Gaulle, alors qu'il se rend à Colombey. Au début de l'année 1962, après plusieurs tentatives infructueuses, la négociation avec le FLN se noue à Évian, sous la direction de Louis Jox, pour aboutir à ce qui peut apparaître comme un accord équilibré entre la France et l'Algérie indépendante. Le 8 avril 1962, un nouveau référendum est organisé et le peuple, à 90% des suffrages, se prononce sur l'indépendance de l'Algérie. De Gaulle décide de changer de premier ministre. Il n'a rien à redire à Michel Debré qui avait réussi en 3 ans à relever la France dans tous les domaines. Mais ce dernier est, comme certains Français, un partisan de l'Algérie française. Le 14 avril 1962, Georges Pompidou est nommé Premier ministre. Mais les attentats de l'OAS se poursuivent en France et la situation en Algérie ne s'améliore pas. Les négociateurs algériens d'Évian ne peuvent ou ne veulent pas tenir leurs engagements. Les Français d'Algérie choisissent d'être rapatriés en France. Quant aux Algériens, les harkis qui ont combattu auprès de l'armée française, eux, ils seront massacrés par leurs compatriotes. La France n'a pu sauver qu'une minorité d'entre eux. 22 août 1962, en soirée. Alors que Charles et Yvonne sont dans leur voiture, le lieutenant-colonel Jean-Marie Bastien-Thierry donne l'ordre d'ouvrir le feu sur le véhicule des De Gaulle. Le couple se baisse pour éviter les balles qui touchent le véhicule, mais ils en sortent indemnes. Yvonne De Gaulle dira même: est-ce que les poulets vont bien ? Bien sûr, elle ne parlait pas des policiers, mais des poulets que le couple transportait dans le coffre de la voiture. Aucun d'entre eux n'a été touché.
le lieutenant-colonel Bastien Thiry sera arrêté, jugé et condamné à mort. Le 11 mars 1963, Bastien Thiry est fusillé. Suite à l'indépendance de l'Algérie, la zone expérimentale de la bombe A est transférée dans le Pacifique sur un atoll de Polynésie. Les Américains suivent de très près les recherches sur la bombe A, mais finalement la France fait exploser la bombe H. C'est un succès. L'industrie aéronautique française a réussi à faire un miracle. Les avions Mirage seront bientôt aptes à transporter et à larguer des bombes A sur des objectifs aux frontières de l'Union soviétique. Après l'industrie aéronautique, ce sont les chantiers navals militaires qui vont se surpasser. La France va construire son premier sous-marin lanceur d'engins, le Redoutable. Ce sous-marin est capable de naviguer en profondeur durant des mois et en mesure de lancer sur tout point du globe des fusées portant les bombes H. La force de dissuasion française existe enfin. Une troisième composante terrestre va faire son apparition sur le plateau d'Albion. De Gaulle estime que le président de la République doit être élu au suffrage universel. Il a encore 3 ans de mandat, mais suite à l'attentat du 22 août 1962, il le remet en question. Dès le 12 septembre 1962, il annonce qu'il va demander au peuple français de se prononcer en faveur de l'élection du président au suffrage universel. L'Assemblée nationale est contre cette nouvelle réforme. Une motion de censure est déposée contre le gouvernement de Pompidou. Le président de la République décide de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est le peuple qui va devoir choisir. Les élections législatives se tiennent les 18 et 25 novembre 1962. De Gaulle intervient. Ah, puissiez-vous faire en sorte que cette deuxième consultation n'aille pas à l'encontre de la première? Puissiez-vous confirmer, par la désignation des hommes, le choix qu'en votant oui, vous avez fait quant à votre destin? Avec 465 députés, l'UNR totalise 229 députés. Georges Pompidou reste Premier ministre. Le 27 janvier 1964, De Gaulle envoie un message au maréchal Chiang Kai-shek pour lui annoncer qu'il reconnaît la République populaire de Chine et l'échange d'ambassadeurs. Un événement que les Chinois n'oublieront jamais. Le geste de De Gaulle envers la Chine s'appuie sur la conviction que pour lui, ce qui soutient les nations, ce ne sont pas les idéologies mais les intérêts nationaux. Du côté de l'URSS, De Gaulle, qui n'a jamais cessé de nommer le pays la Russie, s'est attaché à créer des liens à la mesure qu'il commençait à s'éloigner de Washington. Au cours de l'année 1965, les élections présidentielles ont lieu cette fois comme De Gaulle le souhaitait, c'est le peuple qui va élire son président. Il va donc se présenter une nouvelle fois et il espère passer dès le premier tour. Au soir de l'élection, les résultats tombent. Charles de Gaulle obtient 44,65% des voix, François Mitterrand obtient 31,72% des voix. Les deux candidats se retrouvent au second tour de la présidentielle. De Gaulle hésite à continuer, mais refuse de donner le pouvoir à Mitterrand et va s'engager dans le second tour. Au soir du second tour, les résultats tombent. Charles de Gaulle obtient 55,20% des voix et François Mitterrand obtient 44,80% des voix. De Gaulle se sent soulagé et sait qu'il est encore soutenu par le peuple français. En mars 1966, De Gaulle adresse une lettre personnelle au président Lyndon Johnson et précise que les éléments militaires étrangers et notamment américains stationnant sur le sol français devront quitter le territoire. En effet, De Gaulle ayant consolidé la force de la France souhaite se retirer de l'OTAN qui est sous commandement américain. Mais la France restera toujours avec des ententes amicales. La France de De Gaulle refuse juste d'être vassale des États-Unis, mais reste l'allié des Américains.
ayant fait sortir la France de l'OTAN, de Gaulle décide de se rendre au Cambodge, auprès du prince Norodom Sihanouk. Il condamne devant une foule immense à Phnom Penh la poursuite de l'intervention américaine au Vietnam et proclame le droit des peuples d'Asie à l'autodétermination. En juin 1966, de Gaulle qualifie la relation de la France avec l'URSS de « détente, entente et coopération ». Il accepte un nouveau voyage officiel de 10 jours. Il sera reçu d'une façon exceptionnelle par les dirigeants et aussi par la population. Il se rend à Volgograd, où il continue dans ses discours à appeler la ville « Stalingrad » en hommage du patriotisme et au sacrifice du peuple russe. Il sera également accueilli sur la base de Baïkonour, où on le fait participer au lancement d'un satellite. Et il signe un accord sur le développement des relations commerciales entre la France et l'Union soviétique. En 1967, tout en adoptant une attitude amicale envers l'URSS, de Gaulle se rend en Pologne où il exprime sans embâgue l'identité polonaise. De retour en France, il déclare « Ils sont tous vraiment polonais ? Même Gomulka, que j'ai squeezé jusqu'au fond de l'âme. » Au cours de ses deux dernières années de présidence, de Gaulle a dû prendre position sur trois sujets délicats. La guerre de 1967 entre Israël et les pays arabes, le Québec et de nouveau la question sur l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE. Pour ce qui est du conflit israélien de juin 1967, de Gaulle exprime sa déprobation en soulignant l'engrenage dans lequel Israël serait immédiatement entraîné. La guerre serait gagnée, oui, mais après il y aura la répression, le terrorisme. Mais soulignons que de Gaulle n'a jamais été contre la création en 1948 de l'État d'Israël. Son attitude dans cette crise a contribué à réconcilier la France avec le monde arabe après l'épreuve algérienne. Le Québec, quant à lui, avait noué des liens quasi diplomatiques avec la France et le Quai d'Orsay, comme l'Élysée, traitait avec une particulière bienveillance le représentant du Québec à Paris. En juillet 1967, de Gaulle se rend à Montréal pour l'exposition internationale où la France a un pavillon. Pour rallier le Canada, il part de Brest sur le croiseur Colbert, ce qui montre un signe de ses intentions. Débarquant au Québec, il gagne Montréal en remontant comme prévu la rive du Saint-Laurent par le chemin du Roi. Accueilli par une foule en liesse et invité à s'exprimer au balcon de l'hôtel de ville, il crie à la foule. Vive le Québec ! Vive le Québec libre ! Contrairement à ce que tout le monde pense, de Gaulle n'a pas dérapé, ni dit cela sur un coup de tête. Non, de Gaulle savait que le Québec avait revendiqué son autonomie et qu'un référendum était prévu les mois suivant son intervention. Malheureusement, les tenants de l'autonomie menèrent une campagne timide et n'obtiennent pas la majorité. Le Québec n'est donc pas devenu libre. Et enfin, les relations de la Grande-Bretagne avec de Gaulle. En 1969, l'ambassadeur Christopher Swams invite de Gaulle à déjeuner pour discuter de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CEE. De Gaulle finit par accepter, à condition que les orientations politiques de la Nouvelle Europe soient définies en priorité par un engagement commun de Paris et de Londres. Swams, ravi du succès de sa démarche, adresse au Foreign Office une dépêche qu'il a soumise auparavant à l'Élysée pour s'assurer qu'il n'a pas déformé les propos de De Gaulle. Mais dès que Londres reçoit le compte-rendu, le Premier ministre, Harold Wilson, informe les autres États européens de la nature de l'entretien, en soulignant qu'il s'agit dans l'esprit de De Gaulle de les marginaliser au profit d'une suprématie franco-britannique. L'Élysée va réagir vivement à cette manœuvre inconvenante. Ce n'est pas encore l'heure pour la Grande-Bretagne d'entrer dans la CEE. Mais au cours de l'année de 1967, Alain Peyrefitte,
conseille à De Gaulle de dissoudre l'Assemblée nationale. De Gaulle, en voyant le ballotage lors des élections présidentielles, sait que c'est une mauvaise idée et refuse de dissoudre l'Assemblée nationale. Il dira « La dissolution n'est pas faite pour ça ?» Alors, un dialogue commence entre les deux hommes. « Et si nous perdions les législatives en 1967 ?»« Eh bien, je constituerais un gouvernement d'affaires jusqu'à ce qu'on le renverse. C'est alors que je dissoudrai. » « Et si vous perdiez les élections après la dissolution ?»« Eh bien, je démissionnerai. C'est là une belle façon sur l'esprit de notre Constitution. » Les élections législatives furent gagnées d'un siège. Le 7 décembre 1967, lors de la réception des arts et lettres, De Gaulle invite au palais de l'Élysée tous les acteurs connus de l'époque, tels que Louis de Funès, Bourville, Fernandel, Jean-Paul Belmondo, et surtout celle que tout le monde attend, Brigitte Bardot. Tous auront été honorés de le voir et de lui parler en personne. Dans la faculté de Nanterre, Daniel Cohn-Bendit incite de jeunes étudiants à l'agitation. Les incidents vont s'aggraver à la fin du mois d'avril. Le 2 mai 1968, le doyen de la faculté suspend les cours. Les étudiants rebelles déclenchent les premières émeutes au Quartier Latin, ce qui va entraîner la fermeture de la Sorbonne. Durant la nuit du 17 au 11 mai, des barricades sont élevées dans les rues de Paris. De Gaulle sait dorénavant que ce n'est plus qu'un simple chahut d'étudiants. Lors d'un entretien avec Georges Pompidou, celui-ci persuade De Gaulle de le laisser tenter un apaisement. Pompidou décide de rouvrir la Sorbonne. Dès le lundi 13 mai au matin, les étudiants occupent la Sorbonne. Ce même jour, l'agitation prend une ampleur nationale avec un appel général dans tout le pays, lancé par la CGT et le Parti communiste. Les grévistes défilent à Paris, portant avec eux des pancartes où l'on peut lire « 10 ans, c'est assez », ce qui est une référence au retour de Charles de Gaulle au pouvoir depuis le 13 mai 1958. Les jours suivants, la grève devient quasi générale et touche tous les services publics. La paralysie gagne l'ensemble du pays. Tout est entre les mains de Georges Pompidou, car De Gaulle est en voyage officiel en Roumanie du 14 au 18 mai. L'Assemblée nationale, quant à elle, connaît l'agitation. De Gaulle rentre de Roumanie et laisse colporter un propos qu'il a tenu au Premier ministre, dans lequel il qualifie l'agitation syndicale et étudiante de chienlit. Il annonce qu'il va s'exprimer à la télévision le 24 mai. L'ORTF enregistre et diffuse l'appel du chef de l'État qui annonce un prochain référendum sur la participation dans l'université et les entreprises. L'écho de cet appel est négatif auprès de la population. Rien ne va s'améliorer. Pompidou va proposer de rencontrer les syndicats et le patronat avec les membres du gouvernement au ministère du Travail. La discussion va se dérouler dans la journée et la nuit du 26 mai et va se conclure au matin du 27 mai par la signature d'un accord qui comporte un substantiel relèvement des salaires et en particulier un relèvement de 30% du salaire minimum. Le patronat suit cet accord, mais cet accord ne mène pas à la voie de l'apaisement. La grève continue. Le président de la République et son gouvernement sont ébranlés. François Mitterrand annonce de son côté qu'il est candidat à la présidence de la République, alors que De Gaulle n'a jamais annoncé qu'il allait démissionner de son poste à la présidence. Le mercredi 29 mai, le Conseil des ministres doit se tenir, mais un coup de téléphone de dernière minute annonce que la réunion est annulée. Un bruit de couloir se répand dans l'Élysée. Où est De Gaulle ? Il n'est plus à l'Élysée et personne ne sait où il est. Pas même son premier ministre Georges Pompidou. Tout le monde s'inquiète et se demande que va-t-il se passer. Personne ne sait où il se trouve ni où il est parti. Tout ce qu'on sait,
c'est que le couple de Gaulle est parti en hélicoptère et que cet hélicoptère a disparu des radars aériens. Sur le coup, tout le monde pense que l'hélicoptère a dû se crasher quelque part, mais aucune trace de l'appareil. Ce n'est que dans l'après-midi que le gouvernement apprend que de Gaulle est en Allemagne auprès du général Massu, le commandant du corps d'armée français d'Outre-Rhin. À Paris, au sein du parti gaulliste, on prépare une manifestation de soutien à de Gaulle pour le lendemain aux Champs-Élysées. On s'interroge sur les chances de succès, mais c'est un véritable succès. Des centaines de milliers de personnes sont présentes et expriment leur soutien à de Gaulle. En fin d'après-midi, de Gaulle passe la nuit à Colombey et les ministres sont convoqués pour un conseil à l'Élysée le lendemain, le jeudi 30 mai à 15h. Les ministres sont tous présents et sont assis autour de la table, se posant des questions. De Gaulle entre et s'assied auprès de ses ministres. Il dit « J'ai un mandat du peuple, je ne me retirerai pas. » Tous les ministres sont satisfaits de sa décision. Puis, il annonce « Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. » De Gaulle va confirmer qu'il ne change pas de Premier ministre. Il dit « Le Premier ministre a été remarquable durant toute cette crise et je lui ai proposé d'effectuer les changements qui lui paraîtront opportuns au sein du gouvernement. » Une heure plus tard, de Gaulle s'adresse au pays par la radio, sur le ton et avec les mots qui conviennent. Des centaines de milliers de partisans de Gaulle rassemblés à la Concorde s'ébranlent et remontent les Champs-Élysées dans une joie inexprimable. La tragédie de mai 1968 est désormais terminée. Tous les travailleurs reprennent le travail et les étudiants reprennent les cours. Lors des élections législatives du 23 et 30 juin, le groupe UDR atteint la majorité absolue à l'Assemblée nationale. De Gaulle a une nouvelle fois triomphé. Au lendemain des élections législatives, de Gaulle change de Premier ministre à la veille du 14 juillet 1968. Il nomme Maurice Couve de Murville. Malheureusement, durant cette dernière année de mandat, de Gaulle voit un épisode malheureux dans sa relation avec Pompidou. Le 17 janvier 1969, alors que Pompidou est à l'ambassade de France à Rome, il converse avec des journalistes. L'un d'eux lui demande s'il envisage de se présenter à l'Élysée. Pompidou va répondre de façon informelle. Pour succéder au général de Gaulle, il faut deux conditions. Qu'il ait quitté la présidence et que son successeur soit élu. Ce n'est, je crois, un mystère pour personne, et je serai candidat à une élection à la présidence de la République, lorsqu'il y en aura une. Mais je suis pas du tout pressé. Cette déclaration va en réalité faire la une des journaux en Italie, puis en France. De Gaulle, irrité, va répliquer au Conseil des ministres du 22 janvier. J'ai le devoir et l'intention de remplir mon mandat jusqu'à son terme. De Gaulle souhaite par un vote de l'ensemble des Français retrouver dans les urnes leur confiance à titre personnel. Il décide de revenir à son projet de référendum du 24 mai. Il va écarter du référendum tout projet faisant allusion à la création des régions. C'est pour cela qu'il ajoute une réforme au Sénat, qui fusionnerait avec le Conseil économique et social. Le projet passera devant le Conseil d'État, qui émettra un avis favorable. Dans la dernière semaine avant le référendum, tous les sondages pointent vers le négatif. Le mercredi 23 avril 1969, à la fin de la réunion, de Gaulle dit. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Eh bien, messieurs, à mercredi prochain. Un silence pesant se fait alors ressentir. Oui, à mercredi prochain, je l'espère. Je le crois. Sinon, c'est une page de l'histoire de la France qui aura été tournée. Le dimanche 27 avril 1969,
la population est appelée aux urnes. Le soir, les résultats tombent. 52% des voix sont négatives. De Gaulle, honnête jusqu'au bout, remet à son gouvernement un communiqué qui annonce qu'il démissionne de la présidence de la République. Le lundi 28 avril 1969, l'AFP diffuse le communiqué de De Gaulle. Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi. De Gaulle et son épouse se retirent à Colombey et on ne reverra plus jamais De Gaulle lors d'une manifestation officielle en France. Le 10 mai 1969, il part en voyage privé en Irlande. Une photo sera même prise lors de ce voyage où l'on voit Charles de Gaulle marcher avec son épouse au bord de l'océan. Le 15 juin 1969, De Gaulle envoie un message à Pompidou qui vient d'être élu président de la République. Pour toute raison nationale et personnelle, je vous adresse mes bien cordiales félicitations. Profitant de sa retraite à Colombey, De Gaulle publie les deux premiers tomes des discours et messages couvrant la période du 18 juin 1940 à mai 1958, puis les trois tomes suivants de mai 1958 à son départ de l'Élysée. Mais il se met à écrire la suite de ses mémoires, pour lesquelles il a prévu trois volumes sous le titre de « Mémoires d'espoir ». En juin 1970, De Gaulle se rend en Espagne. C'est un voyage qu'il organise à titre privé, mais il a également prévu de rencontrer Franco. L'entretien se déroule le 8 juin au Palais du Prado. Le 10 novembre 1970, De Gaulle organise sa journée comme à l'accoutumée. Il se promène dans sa propriété, continue d'écrire dans son bureau, et le soir, il joue aux cartes comme il en avait l'habitude. Soudain, il sent une violente douleur dans la poitrine et s'écroule sur le sol. Charles de Gaulle meurt d'une rupture d'anévrisme. Française, Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. En 1940, de Gaulle a sauvé l'honneur. En 1944, il nous a conduits à la libération et à la victoire. En 1958, il nous a épargné la guerre civile. Il a donné à la France actuelle ses institutions, son indépendance, sa place dans le monde. En cette heure de deuil pour la patrie, inclinons-nous devant la douleur de Madame de Gaulle, de ses enfants, de ses petits-enfants. Mesurons les devoirs que nous impose la reconnaissance. Promettons à la France de n'être pas indigne des leçons qui nous ont été dispensées et que, dans l'âme nationale, De Gaulle vive éternellement. Sa famille suivra ses consignes à la lettre. Je veux que mes obsèques aient lieu à Colombey les deux églises. Je ne veux pas d'obsèques nationales. Seules les armées françaises pourront participer en tant que telles. Mais leur participation devra être de dimension très modeste, sans musique, ni fanfare, ni sonnerie. Aucun emplacement réservé pendant la cérémonie, sinon à ma famille, à mes compagnons membres de l'Ordre de la Libération et au Conseil municipal de Colombey. Le 12 novembre 1970, le peuple français voit à la télévision l'engin blindé franchissant la grille de la boisserie et le cercueil de Charles de Gaulle drapé du drapeau tricolore. 12 jeunes hommes de Colombey portent ensuite le cercueil pour la mise en terre. Sa volonté, être enterré auprès de sa fille Anne de Gaulle. À Notre-Dame de Paris, à 11h, en présence de Georges Pompidou et de tous les chefs d'État étrangers,
dont Richard Nixon et Nikita Khrouchtchev, on célèbre et rend hommage une dernière fois à cet homme qui fut grand. En fin de journée, animé par la voix de Maurice Druon, des dizaines de milliers de Parisiens, malgré la pluie, remontent les Champs-Élysées et se dirigent vers la place de l'Étoile, à laquelle le conseil municipal de Paris vient de donner le nom de Charles de Gaulle. En 1972, est érigée une immense croix de Lorraine qui est conçue en granit rose, sur la hauteur qui surplombe colombée les deux églises. Le 7 février 1986, le gouvernement décide de concevoir un nouveau porte-avions. Il sera armé le 28 septembre 2000 et il portera fièrement le nom de porte-avions Charles de Gaulle. Aujourd'hui, bon nombre de nos rues ou places portent le nom de Charles de Gaulle, un nom que la France ne doit pas oublier. Charles de Gaulle, même encore aujourd'hui, a marqué les mémoires de tous. La France honorera pour toujours la mémoire de celui qui a fait l'appel du 18 juin 1940. Quand la France redeviendra la France, on reparlera de ce que j'ai fait.